demokarasi ari uburenganzira ku byerekeranye n'ubutabera byerekeye ubwisanzure mu itangazamakuru namwe muri mu namwe hari ibyakozwe bihari byiza hari n'ibirebana n'imitungo aya mategeko arebana n'iby'imitungo n'andi mategeko areba ariya groupe specifique nabyo urumva hari ibyagiye bikorwa byinshi ariko ugasanga nyine ibindi bitaragerwaho hagomba gushyirwaho kongera ingufu kuri buri muntu ni nk'ibirebwa bitaragerwaho urumva nk'ibyo nk'ubu amategeko ariho ni meza ariko hari n'igihe tuvuye mu by'ubutabera ariya mafaranga yatwaye iya baro yagiye ibihumbi magana atanu ntabwo buri wese yayabona kandi byabaye itegeko urumva icyo cyaba cyarimo ikibazo ibindi kugira ngo iyi sisiteme yawe bakorera iri mu cyaro kugira ngo uzayishobore nabyo ugomba amafaranga baraka nabyo ntabwo yabishobora ugomba kuba kirimo utubazo ariko dukeya ariko tugomba kureba uko babigeraho izo za majiyenda naho bari byaro ubufasha baba babahaye leta iba yabashyizeho babaye n'abakozi ba leta nabyo urumva ko ni ibyiza byagezweho ariko ikibazo aho kiri nanone ni ukumenya uwo maji ifasha n'indi kuko haracyari cya kintu cyo gushyira abantu mu byiciro by'ubudehe ibyo harimo ikibazo nanone hari icyo oya ni lisite turakorana kuko hari n'ibyo baduha twarahuye nabo imbere yo gukora iyi raporo hashize igihe ariko niyo igihe biterwa n'icyo ari cyo niba twarahuye umwaka ushize tukaba tunoneye turi muri kwa kabiri ntabwo ari igihe kinini ariko natwe raporo ntabwo iriya ari finale iyo finale tuzayibaha nituyirangiza namwe muzagira aho wakisi hari ikigaruka haba hari ibyongerewemo bitari birimo cyangwa se ibyo yavuze yuko byakemutse ntabwo ari ukuvuga ntabwo raporo ari ukuvuga ngo turakora raporo yemewe na minisitiri cyangwa yagize twe dukora raporo y'ibyo twabonye turashaka kujya mu dusobanuro kw'ibihumbi magana atanu turashaka kujya mu tubwire se ikibazo mu gisanzwe hehe dusobanuro ku buryo bwimbitse nk'uko n'icyo musaba leta ibihumbi magana atanu byo kuvuga ni igihembo cya avoka iyo umuntu agiye mu rwanda ariko ibyo bihumbi magana atanu rero ukurikije uko babashyize muri za kategori hari ibibazo ni kategori ya mbere iya kabiri nibo bafashwa n'amaji ariko ushobora gusanga umuntu ari muri kategori ya gatatu bya bindi tujya tubibona ugasanga yenda kuko afite inzu abamo adafite n'aho ahinga ngo yabone ibihumbi magana atanu byo guhaguka afite ikibazo ni ibyo tuba tuvuga ntabwo ikibazo ntikiri muri ubu buryo bw'ubucamanza kiri kugira ngo uwo muntu nawe abone ubutabera kuko natabona ibyo bihumbi magana atanu ntabwo azajya kurega cyangwa ntabwo n'undi uzajya ashobora kurengana kandi yagombaga wenda kubona ubutabera hari rekomandasiyo mwatanze mu butabera mwasabye ko inkiko zigomba kugera kwishakira bajeti kuko kuba zidafite bajeti yihariye bibangamira ukwigenga k'ubutabera kidusobanurira kigusubije bajeti minijite bafite twavuze ko hateye intambwe igaragara abacamanza barahuguwe bafite ubushobozi bigeze hose za infarasitigitire zirahari icyo ibyo bintu birahari hari icyagarutsweho kijyanye n'umubano kunoza umubano mu karere reka ngo mutubwire nka observation yanyu uko mubibona noneho na rekomandasiyo kuri leta kugira ngo iriya rekomandasiyo izabe bien cote umubano nta muntu utakwifuza kubana n'umuturanyi we neza icyo ni ikintu twifuza twese ariko nk'uko mubizi
ubu ngubu mu Rwanda n'Ubugande no mu Burundi ntabwo tubanye neza. Icyo rero nkatwe muri sosiyete sivile dukorana na RDG ni ikibazo, tubona ko ari ikibazo. Niba hari Abanyarwanda bagenda mu Bugande bakamererwa nabi, bajya i Burundi bakamererwa nabi, ariko icyo ntabwo ari ikibazo kizakemurwa na RDG. Ubuyobozi icyo ni ikibazo politike bazumvikana, ibibazo bikemuke, umubano wongere utere imbere. Nubwo tugarutse kuri icyo ngicyo cy'ibihumbi 500 ntabwo atubwiye icyo musaba, icyo musaba minisitiri. Ese murabona ko ari minisitiri yagikora? Ni ugusaba ko muri kategorizasiyo byabo bashyira abantu mu butegetsi, hajyamo kuko umuntu ajye muri kategori akwiye, biye kumuzamura ngo ajye muri kategori ya gatatu kandi atabishoboye. Hakorwa iki se kugira ngo umenye ko niba hari umuntu ushyizwe mu cyiciro runaka atagikwiriye gukora ikintu ubimenya mute mu gihe? Aba ariko abaturage bajya bivugira nabo usanga bakubwira ati igihe bashyize mu cyiciro cya gatatu singera naho kurara, singera naho kubara. Ibyo bakavuga ko ari abayobozi b'inzego z'ibanze. Ibyo rero kwa kundi nibashyira mu byiciro iriya nama abaturage akaba kuko uko bashyize mu byiciro akaba ariho bajya, ntihagire babaye inzego z'ibanze zijya kubihindura, icyo kibazo cyahita gikemuka. Iyo umuturage atabonye ibyo bihumbi 500 ntavuga, ubundi maze harya ntiyari ishinzwe kureba ukuntu yamushakira umuburanira cyangwa nikibereye bigenda bitese. Iyo atabonye ayo mafaranga bigenda bite? Ndetse ari muri kategori ya kangahe ntabwo yabakoranye na maje. Maje ikora n'abantu batishoboye. Ese hari abantu mwaduha nk'urugero mwabibonye? Hari bari avoka muzi kumwe zaba zifite kangahe. Mu Rwanda ndumva nta kibazo gihari, hari amategeko arahari meza rwose, hari abantu bahanayihanukire nta kubabarira. Ibyo rero ni byiza, ahubwo yenda twabaza ahandi biri muri ibihugu duturanye ko bimwe baza bakareba hano ko twabigezeho na bicyo bareba kugira ngo iwabo nabo bicike. Yenda muri RDC ho hari ya mitwe ikitwaje intwaro imwe, hari ibibazo nyine iyo hari intambara bimwe ayo mategeko ntibagenda neza, ariko muri rusange hano mu Rwanda byo twebwe nta kibazo dufite kuri icyo kibazo. Murakoze cyane. Reka tuvugane na minisitiri umunota umwe wenda. Yari uri musambure pe par le premier secrétaire d'ambassade du Royaume de Belgique au Rwanda au niveau des recommandations choisies. Nous avons travaillé sur les 50 recommandations sans toutefois oublier une des recommandations et le gouvernement dit qu'ils ont été exécutés ou bien sont en cours. C'est pourquoi nous avons demandé au ministère de la justice d'établir un plan de réalisation de ces recommandations. Donc, nous travaillons en général sur toutes les recommandations formulées. Mais pour ce travail, on a travaillé spécifiquement sur les 50 recommandations. Les autres aussi notés, on essaie de voir ce qui a été fait ou bien ce qui reste à faire. Concernant la coalition mise en place par le gouvernement et les organisations de la société civile, nous travaillons comme une coalition à part. Nous ne sommes pas avec les autres coalitions. Nous travaillons avec les quatre organisations, donc nous sommes cinq. Mais les rapports, quand même, tous les rapports seront
communiqué au ministère de la Justice. L'autre question posée par le journaliste sur le cas de disparition des Rwandais au Burundi, l'année de même en Ouganda. Ça c'est la question de disparition forcée n'a pas été acceptée par le gouvernement. Nous n'avons pas travaillé si le gouvernement n'a pas accepté. Nous n'avons pas travaillé sur ce cas. Et en plus, les cas de disparition, que ce soit au Burundi, au Rwanda, à RDC, même en Ouganda, en tant que les défenseurs des droits humains, quelques cas, nous essayons de suivre et demander des informations à nos collègues. Donc, ça n'entre pas dans le cadre de son travail, mais cela n'empêche pas qu'on y travaille. Et c'est pourquoi, même dans la recommandation formulée, on a envisagé la politique de bon voisinage. Cette recommandation peut résumer tout. Les grossesses des jeunes filles au Rwanda, bon, c'était un défi, mais le gouvernement a mis beaucoup d'efforts. Au niveau des lois, au niveau même de la protection des enfants, dans les écoles primaires et même secondaires. Malheur, à ceux qui commettent même ces violations des enfants, ils sont punis sévèrement ici au Rwanda. Si c'est ici, à RDC et au Burundi, je crois que c'est aussi la même chose. Vraiment, le père est formulé au gouvernement rwandais en ce qui concerne la protection des jeunes filles pour les grossesses indésirées. La question posée par le Marcel de disponibiliser cette présentation, oui, cette présentation vous sera partagée après la finalisation et cela même mis sur le website de la RDG. Il y a un peu à compléter en termes de la méthodologie. C'est-à-dire, en élaborant ces rapports, nous nous sommes servis des contacts avec les autorités publiques. Analyser les différents documents, on a été au ministre, on a été à la commission nationale. Ça, c'est en termes de la méthodologie. Donc, nous sommes partis de différents documents administratifs, voir le niveau d'exécution de toutes ces recommandations. C'est en termes d'approche. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y en a pas. C'est Johnny Williams. Ma question est de savoir, dans les années passées, on a vu que les Rwandais, en général, ne sont pas au courant de ce qui est les pays. Et puis, est-ce que dans vos enquêtes, dans vos activités, avez-vous pu réaliser si sont-ils en mesure de comprendre ce que c'est le UPR ou c'est seulement les administrateurs et les autorités qui en savent? Merci. La question de William consiste à savoir si la population est-elle informée sur l'EPI. Sur l'EPI. Je crois qu'avant de poser la question, il devrait suivre attentivement. On a recommandé aux organisations de la société civile, au gouvernement, de pouvoir vulgariser quoi ? L'EPI. C'est une recommandation. En fait, c'est pas seulement la population. Il y a même certaines autorités de base qui ne sont pas au courant de ce que c'est l'EPI. Donc, c'est un travail qui continue. On va encore vulgariser les pays. Ils ne sont pas au courant
mais pas tous. Il y en a ceux qui sont au courant, qui peuvent donner des informations à propos de ce que le gouvernement fait pour eux. Mais s'il n'y a pas de questions, on pourra accorder la parole au représentant du ministre pour faire des observations et si possible prendre le café. Thank you so much. Is it okay if I do in English? Thank you so much. Can you run it? Dufite report. Iyi report mu